l'âge des fruits mûrs. Neusema kizazi cha tunda la kukoma. Le fruit mûr. Tunda lenye kukoma. L'âge. Kizazi. Des fruits mûrs. Cha tunda lenye kukoma. Pourquoi le fruit mûr? Kwa nini ni tunda ya on kukoma? On a semé. Kwamba ilipandwa. On doit récolter. Yabidi vunwe. Quand vous semez, upandapo, vous devez attendre la récolte. Wapashwa jingojeshe ya kuvuna. Si vous semez mal, ukipanda vibaya, récoltez le mal. Unavuna mabaya. C'est la semence qui montre la graine qui a été semée. Ni mavuno ya onyeshayo mbegu iliyopandwa. Alors je vais dire une chose. Kwa hiyo nitasema jambo. Faites attention. Fanyeni angalisho. Toutes les choses courent vers la fin. Mambo yote yanaelekea mwisho. Le mal mûrit. Mabaya yani maovu yanakoma. Le bien mûrit. Mema nayo yanakoma. Ce qui a été semé kilichopandwa ne peut pas rester sans grandir. Hakiwezi baki pasipo kukoma. Le diable a semé. Shetani alipanda. Et Jean pas qu'il a créé. Si kwamba aliumba, mais il a introduit sa semence dans l'homme. Bali alipenyeza mbegu yake ndani ya mtu. Et quand vous regardez là où arrive l'homme aujourd'hui, utazamapo kwenye mwanadamu anafikia leo, vous sentez que la maturité du mal est vraiment visible. Utahisi na kuhakikishwa kweli ya kwamba kukoma ya mbe ya ubaya inaonekana. Le méchant n'a pas pitié de montrer qu'il est méchant. Muovu hana huruma au haya kuonyesha kwamba ni muovu. Jamais on est arrivé dans un âge où l'homme peut tuer l'homme et puis il le grille et puis il le mange, il prend le cargazo qu'il boit. Hakuna wakati kwenye ungeona mtu angeua mtu mwenziwe anamchinja anamkula na nakunya na narizika. Jamais. Kamwe. Jamais on a vu un âge où l'homme refuse de marier une femme, il part, il prend un chien, il part à l'état civil, on lui donne un document, il rentre avec sa femme à la maison. Hakuna wakati ungeona mwanaume anakata kuoa mwanamke, mwanadamu kama yeye, anachagua kutoa mbwa, anamshika na kumpeleka kwenye serikali na anafanya mapatano na anamuoa. Il dit, na anasema, le femme non. Sitaki wanawake. J'ai besoin d'un animal. Nina haja ya mnyama. Le mal mûrit. Kwamba uovu unakoma. Pourquoi? Kwa nini? Parce que les gens doivent aller en enfer ayant mérité l'enfer. Sababu yabidi watu waendake motoni na walitenda matendo ya kuwafikisha motoni. Ils iront en enfer ayant mérité l'enfer. Wataendaka mumoto na wamestahili kuingia humo. Ils ne peuvent pas être brûlés s'ils n'ont pas mérité le feu. Hawata lunguzwaka bila kustahili kuingia motoni.